Oh là là, le mood. Allez, on y va. Oh, pire plan créatif. C'est Gabibo. Film. Ça y est. Tu filmes? Bien, oui, bon. Je suis calme. Hein? Ah, elle est contente, ça va. Elle est contente, je suis trop contente. Elle est trop contente. Elle faisait rire en marchant. Oh, trop stylé. Comment tu marches, un petit cochon? Pour reproduire les scènes du film Dune, nous nous sommes rendus à la dune du Pilat. De tout ce que nous avions à proximité, c'est simplement l'endroit le plus propice pour cette reproduction. J'ai peur. De? Du vide, là. Y a pas de vide. Ouais, j'ai peur. Ah ouais. De nuit, là. J'ai trop peur. Mais non. Une fois arrivés au sommet, nous avons commencé à faire des repérages pour définir nos orientations de caméra selon les dunes de sable, la lumière, la présence de personnes ou non, les perspectives et les focales que nous avions définies au préalable, selon nos plans de référence. C'est ouf qu'il y a une... Ah oui. Oh ouais, c'est incroyable. Ah là, ah là. Oh, y a avec les nuages et tout là. Regarde ma police là, regarde, test, regarde si j'y vais. Tiens, ça se trouve. Le problème c'est qu'on a pas le 300, on se rend pas compte en fait. Venez, on fait ça là. Par contre, le mood, il est incroyable avec les nuages et tout là. Regarde ma poule ici là, regarde, ce que t'as toi en rêve, c'est pas le 300. Ouais. C'est qu'en fait, j'ai pas réussi à le retrouver. En fait, le mec, il est super loin. Tu sais, c'est comme. Et puis en plus, il est de côté en fait. Ça fait genre une dune comme ça, en fait, il est à droite, Timothée. Et il marche en fait au fur et à mesure vers la caméra. C'est pas le plan qu'on a trouvé chez toi. Pas celui-là? Non, j'ai pas réussi à le trouver. Merde. En vrai, ma poule, tu vois, en fait, c'est comme ça, en fait, tu sais, genre quand on t'arrête, t'avais la double lune là, tu sais. Ouais. Et bien en fait, il arrive de super loin en fait. Limite, il passe un peu devant la dune, il passe derrière, en fait, il revient en marchant tracking focus. Merde, même si j'avais su, on aurait fait le nécessaire pour le trouver. Mais non, mec, parce que. Non, mais t'inquiète pas, je l'ai vu. Mec, on l'a vu l'autre jour. C'est le seul plan que je me souviens qu'il fallait absolument qu'on fasse. Faut qu'on soit là, en fait. On passe par quoi, en fait? Je suis pas d'accord. Bah, si vous voulez. Vas-y, ma poule trépied. Comme ça, les plans de loin, c'est fait. La dune, comme tu disais, là, je suis en fond, après on voit disparaître. Mais oui. Et on voit réapparaître d'un coup. Mais oui. Viens, ma poule, viens, t'habille. Les gens, je shoot direct, on s'en bat les couilles. On a mis un peu de temps à se mettre en place et à valider nos idées pour être certain de ne pas faire d'erreur lors du montage. On s'est ensuite préparé à filmer nos premiers plans. Oh, par contre, le vent comme ça, c'est incroyable. Ouais, je pense que ça va être incroyable le vent, les gars, vous êtes pas prêts, je crois. Ça déboîte, mec. Lola m'a aidé à enfiler le costume fait maison, comme toujours, ce qui entraîne souvent quelques complications. Dans une heure, il fait nuit, les gars. Non, mais les gars, je vous dis, on aurait temps de faire deux plans. Oh, il y a plus personne, vite, vite, on y va. Tatakir. Oh, c'est incroyable. Oh là 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 là. Oh, la lumière, vite, vite, vite. Non, mais là. Et oui, il veut mettre la chaussette. Ah, mais ça m'énerve, les draps, là. Putain, c'est quoi cette idée de merde? Tatakir. Oh, tu vois? C'est pas mieux dedans? Incroyable. Allez. Ouais, ok. Par contre, là, on fait vraiment en 300, c'est quand on a dit en mode suivi. Ok. Que poulet. Là, je mets de la merguez sur les cheveux ou pas? Ouais. On est prêt? Ouais. Qui est ma poule? Alors, capuche. Capuche one. Capuche two. T'as son ma poule, tu vas avoir le vent dans le dos. Et si j'avais joué dans Dune? Première scène, les gars. Je vais me placer sur la dune, on va faire un peu au feeling sur ce premier plan. Et après, on va se faire nos refs. On se dépêche parce que il pleut dans 30 secondes. Allez, c'est parti. Ouais. On ne te voit pas! C'est ce que je te disais! Vas-y, continue! Tout droit, tout droit, tout droit, tout droit. Un peu sur ta gauche, sur ta gauche. Va carrément à gauche, gros. Voilà, parfait, tout droit. Encore. Voilà, et là, ma poule, tu vas tout droit. Vas-y, ma poule, encore, continue, tout droit, tout droit, tout droit, tout droit. J'ai que totalement baissé la cam. Ouais, t'as baissé la cam. Ah ouais, sinon, ça bougeait trop, c'est horrible. Et du coup, c'est pas mal aussi au niveau du cadrage, là. Oh là là, c'est coquin.
Reviens, reviens. Retourne là d'où tu viens. Retourne là d'où tu viens. Mec, fais gaffe, y'a Batman en haut, te regarde. Non, non, ça, ouais, c'est pas mal, mec, c'est incroyable, gros, c'est incroyable. En plus, ça pourrait être ralenti celui-là. La poule, c'est le meilleur plan. Quoi, 150? Bah, c'est le seul qu'on a fait pour l'instant. La poule, c'est le plus beau plan, en plus, je te dis. Ouais, avec le sable et tout, c'est vénère, hein. Tu rends comme c'est beau. T'es un petit flou. Mais oui. T'as ce que je veux dire? Ma poule, les gens, on fait un truc là. Petit flou radial, là. Dépêche-toi. Retourne, retourne là où t'étais. Et je vais te mettre un flou. C'est que le sable au sol, okay. Tu vois. C'est trop stylé. Bon. Pas tomber ça. C'est quoi? Oh là là! Donc là, on est. On vient de faire le premier plan en feeling. On va enchaîner. Oh, putain, il y en a bien. Il y a la pluie qui arrive de ouf. Et le temps passe. Du coup, là, on attaque notre. Notre storyboard. On dirait pas là, mais il y a la tombeuse sur l'épaule là, c'est gravé. Oh les cheveux, il y a rien qui va là. Quand il y a la pluie, là, dans 3 minutes là, les gars. Après, le mood est ouf par contre. Il y a un éclair! Bon alors, deuxième plan, on fait 50 mm, notre premier plan ref, sur la petite crevasse de dune là, avec plan fixe, symétrie, moi qui vais fixer l'horizon et la cape au vent, normalement on a le vent dans le même sens que la ref, donc on va tenter avant que la pluie arrive. Allez, c'est parti. Dans l'autre sens, c'est l'autre épaule en fait. C'est l'autre épaule comme ça. C'est flingué ce tournage, c'est de pire en pire. Franchement, c'est de pire en pire les trucs. Là, je suis ignoble. Mec, tu revois ça? Viens là. Là, ça va mieux là. Il y a tout qui part à recycler ce soir. On a un plan déjà. Si on arrive à en voir au moins 4, c'est bien. Ok, c'est bon gros. Va voir, ça y est là. Ok. Bébé, non, 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 c'est pas, tu fais trace de pas, non, non, non. J'ai pris les mêmes que lui. Oh non. J'ai pris les mêmes que lui. Attends, attends, attends. Putain, c'est flingué. Oh, mais il me casse les couilles à ma pète. Qu'est-ce que ça? Putain, boule télécom. Donc comme ça. Et vraiment, genre, juste près de ses pieds. La cam, on l'a basculé. Là, c'est pas mal, là, non, l'horizon. Ok, vas-y, ma poule, ça tourne. Attends. Comment j'ai ajouté les VFX sur Final Cut Pro avec l'aide de Cine Studio, donc je vais pas vous présenter à nouveau le plugin, je l'ai fait dans une autre vidéo, mais je vais vous montrer étape par étape sur Final Cut comment j'ai fait. Tout d'abord, j'ai dupliqué mon plan sur la timeline. J'y ai appliqué le plugin MRoto AI qui fait partie du pack Cine Studio. C'est un outil de rotoscopie pour créer des masques, ce qui m'a permis de sélectionner uniquement mon sujet pour en faire un masque. J'ai affiné mes réglages pour un masking plus précis avant de lancer le tracking pour que le masque suive mon sujet sur l'ensemble du plan. J'ai ensuite sélectionné Masked Video pour supprimer l'arrière-plan. J'ai donc ensuite pu importer mon VFX d'explosion hyper réaliste que j'ai acheté sur le site Action VFX. Je vous mets tous les liens utiles dans la description, que j'ai simplement glissé entre mes deux plans sur la timeline pour que l'explosion soit située derrière mon sujet. Il ne me restait donc plus qu'à repositionner l'effet et en ajouter d'autres comme celui de fumée par exemple pour plus de réalisme. La dernière étape consistait tout simplement à faire la colo sur le plan ainsi que sur chacun des effets que j'ai pu ajouter pour faire matcher l'ensemble, ce qui nous a permis d'obtenir le résultat que vous avez vu. Si jamais vous souhaitez découvrir et profiter des plugins de Motion VFX dont Cine Studio que je viens d'utiliser et vous montrer à l'instant, je vous mets le lien dans la description, vous allez voir c'est vraiment révolutionnaire pour l'utilisation de Final Cut Pro. Retournons à présent sur la planète de Arrakis. Ok, ma poule, bouge pas. Ça part en sauce back. Bouge pas, bouge pas. Parce que là, mec, c'est incroyable le truc, là.
1,5 qu'on fera. Ouais, c'est ça, avec le 1,4, tu vois. Ouais, ouais. Mais ça peut être trop bien, je pense. C'est incroyable. Oui, je suis trop bien. En fait, je suis le deck parce que, mec, j'ai envie de faire plein de trucs, tu vois. Ben, alors, un truc. Mais c'est la lumière, là. Mais mon gars, c'est la nuit, là. On voulait faire des plans de nuit. Oh putain, il n'y a plus de deux. On est à zéro. C'est ma troisième bande. Après, putain, t'as raison, il faut que ce soit sommé, mais. Viens. Mais faut pas qu'on ait le même décor si on a toujours pas le même décor. Viens. Là, il est flingade aussi. Ah, ou alors vers la gauche après. Oui. Vas-y. Vas-y, au pire, je te mets un tracking. Tu me dis quand tu es en entier. Une fois, je vous propose de voir comment j'ai ajouté ces effets de flare sur Final Cut Pro avec l'aide de Motion VFX. Tout d'abord, j'ai utilisé le même plugin que tout à l'heure, Mroto AI, pour faire un masque sur ma dune, ce qui m'a permis de l'assombrir et donc de masquer les détails du sable qui ne sont pas esthétiques du tout. Ensuite, j'ai ajouté un effet de flare grâce au plugin MFlare 2. J'ai effectué un arrêt sur image pour que le flare soit immobile puisque la caméra est statique. Ce qui nous a permis, après quelques clics et l'étape de color grading, d'obtenir un résultat vraiment très similaire du plan de référence issu du film. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en pensez perso, je trouve que c'est très très ressemblant, hyper content du résultat. Je vous le rappelle, mais tous les liens des plugins que j'ai utilisés dans cette vidéo et dans cette reproduction se trouvent dans la description de cette vidéo. On se retrouve donc auprès des Fremen pour la scène finale. Donc c'est notre objectif, voilà. Il faut que ce soit un trépied, je pense. Hein. Je crois que tu parlais des yeux, moi aussi. Ah merde. Enfin non, mais t'inquiète, on avait dit plan fixe yeux, de toute façon. Comme tu veux, sinon... T'inquiète, on est d'accord, vous. On y va jouer, c'est bien que ça va ressortir le thème, non? Voilà, c'est stylé avec la musique, là. Bon, malheureusement, les gars, on arrivait bien trop tard sur place pour réaliser ce tournage, ce qui fait que la nuit commençait à tomber. On n'avait plus du tout la lumière souhaitée par rapport à ce qu'on avait en tête. Plus de batterie sur les autres cams pour faire filmer les BTS et tout. Là, le tournage commençait à partir en vrille. On a filmé en catastrophe les deux derniers plans. On a monté au max les ISO et Lola a eu l'idée de mettre le flash de téléphone pour éclairer progressivement mon visage, ce qui nous a permis d'obtenir le minimum de lumière nécessaire et donc de sauver les meubles pour terminer ce tournage. Dites-moi en commentaire si cette vidéo Behind the Scene et cette aventure vous a plu. Dites-nous également en commentaire quel film ou série vous souhaitez qu'on reproduise dans une prochaine vidéo. Je vous laisse cliquer sur les liens en description pour aller découvrir les plugins de Motion VFX que nous avons utilisés dans cette reproduction. Merci Motion VFX d'avoir sponsorisé cette vidéo et d'être un partenaire de longue date sur ma chaîne YouTube. Foncez soutenir le duo Johan et Lola de LSFilm64 sur Instagram. Pour voir notre reproduction, le résultat final de notre reproduction de Dune, vous avez juste à cliquer sur la vidéo qui va s'afficher à l'écran. Et puis moi, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao! That's a fucking rap, baby! Ah!